What's up, pépites de chocolat? Aujourd'hui, je suis énervé. Je vais vous expliquer pourquoi dans 2 secondes. T'es pas forcé d'aimer ton physique, mais tu peux au moins l'embellir. Tu peux pas te sentir bien dans ton corps et te sentir bien dans tes vêtements. Ça, c'est un truc impossible. Si tu t'aimes pas, faut forcément être en harmonie avec soi-même. Faut trouver le moyen de s'aimer, de s'adapter à comment on est. La mode ou le style, un style vestimentaire peut te redonner confiance en toi. Souvent, ceux qui ont honte de leur corps, ils s'habillent mal. Et c'est justement pas la bonne solution pour se sentir encore mieux et se sentir en confiance. Un message à tous les gens qui ont honte de leur corps, qui ne se sentent pas bien. Sortez-vous les doigts du cul. Sortez-vous les doigts du cul et faites en sorte de vous sentir bien. On n'a qu'une vie, les gens. On n'a qu'une vie. Alors, je sais pas, pour ceux qui sont en surpoids, faites du sport, mangez bien, vous pouvez le faire, on n'a qu'une vie, il y a plein de transformations juste incroyables sur internet pour vous motiver. Ceux qui sont maigres, mangez si vous avez honte, mangez, faites quelque chose, vous pouvez forcément prendre des kilos en plus, c'est obligatoire, on ne peut pas rester à un seul poids défini pour ceux qui sont maigres, c'est impossible. Habillez-vous bien, déjà ça vous donnera plus confiance en vous, c'est une obligation. J'ai moi-même eu ce problème. Scooter de merde, merci petit bâtard. J'ai moi-même eu ce problème. J'étais trop gros. Je me sentais pas bien, je m'habillais comme une brêle. J'étais un vrai cassos il y a quelques années de ça, même si on ne pourrait pas croire maintenant vu mes habits et mon style vestimentaire. Mais oui, avant je m'habillais en mode rocker, genre j'avais les cheveux voilà, qui tombaient, j'étais vraiment, je faisais pas du tout attention à moi et c'était pas du tout la bonne solution. À un moment donné, j'étais trop maigre et mes vêtements étaient trop amples. Mais non, mais faites pas ça. Si vous êtes maigre, mettez pas des choses amples pour qu'on croie que vous êtes plus gros. Ça se voit sur votre visage si vous êtes maigre, de toute manière. Donc n'essayez pas de tromper l'œil des personnes. Ça se voit, nous ne sommes pas cons. Donc essayez de vous battre contre votre honte, essayez de tout faire pour ne plus avoir honte et avoir confiance en vous. Nous sommes dans une société où le regard des autres est très important et justement, il faut tous leur faire fermer les yeux. Leur faire fermer les yeux sur votre honte parce que nous les gens, on les voit. On voit ceux qui sont dans le mal-être. Et c'est pour ça qu'il faut taper du poing et avancer, s'aimer. Et avoir confiance en soi, que ce soit avec votre physique ou votre style vestimentaire. Peace les pépites de chocolat, vous kiffez à la mort. Peace, mais pas sur un mot.